I'm digging through the glove box. I thought I had a map in here. The driver's door. Salut, c'est Lass. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et j'espère vraiment qu'elle vous plaira. Donc, j'étais en recherche et j'ai trouvé le calendrier de l'Avent de cette année. Voilà. Nous sommes le 15 septembre. Je pense que le calendrier de l'Avent des actions est sorti depuis le 1er septembre. Et voilà, c'est pas seulement chercher. Parce que moi, il y a certaines personnes qui vont commencer à dire c'est trop tôt pour qu'un calendrier de l'Avent sorte en septembre. Mais bon, voilà, on va faire comment. C'est le marketing, on le peut y faire. Et c'est même pas seulement Action qui fait les calendriers de l'Avent, qui sortent les calendriers en septembre. Beaucoup de marques le font déjà aussi. Donc voilà quoi, je vais tout simplement vous présenter le calendrier et on va le défaire ensemble. Voilà. Voilà comment le calendrier se présente. Vous voyez? Voilà, c'est très très joli, même si le packaging du calendrier ne change vraiment pas au fil des années chez Action, mais sinon ça reste quand même joli. Le prix a changé parce que je pense qu'avant le calendrier d'Action coûtait 9,99€. Maintenant je l'ai acheté, je crois, à 1,95€ ou 93€. De toute façon, je vais vous mettre une petite vidéo que j'ai prise quelque part là pour que vous voyez le prix. Et donc voilà quoi, il y a de l'inflation partout, même sur les calendriers, on va faire comment. Donc sans plus tarder, je vais détacher le paquet et puis on va le défaire ensemble, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas aussi de me dire en commentaire comment est-ce que vous allez préparer votre rentrée scolaire ou bien votre rentrée professionnelle. Je vais passer un petit peu en commentaire quoi. Il faut qu'il n'y ait pas de problème avec vous là-bas. De toute façon, de mon côté, ça va bien, tout s'est bien passé, les choses sont passées nickel. Donc, j'ai taché le plastique qu'il y avait dessus. Je vais. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Voilà. Voilà le calendrier. J'ai retiré le plastique. Le plastique qui était dessus. Donc voici le calendrier. Ce qu'on va faire actuellement, c'est de chercher la case numéro 1. Voilà. Il faut savoir aussi que aux alentours du calendrier, il y a le nom des produits ici pour voir à l'intérieur, mais pas le numéro. Donc il fait que voilà, tu sais le produit qui est à l'intérieur, mais tu ne sais pas dans quelle case le produit se trouve quoi. Bon, maintenant je cherche la case numéro 1 et je ne la trouve pas. Où es-tu? Voilà. Voilà, dans la case numéro 1. Voilà ce qui se trouve dans la case numéro 1. Voilà. C'est le body peeling, c'est un gobage corporel 50 ml. Bon, on va un peu regarder pour voir si ça sent quoi. C'est fermé. C'est fermé. La case numéro 2. Voilà. Je vais pas. C'est ça que si je commence à acheter. Ah, voici la case numéro 2. Voilà ce qui est sorti à l'intérieur, c'est tout simplement un lima ongle quoi. Voilà, rien de nouveau. La case numéro 3. Voilà, on va découvrir ensemble ce que c'est. Voilà, c'est un gant expérience. La case numéro 4. La case, on trouve une crème pour les mains. 30 ml de contenance. Voilà. Le produit est fermé. Voilà, on part à la case numéro 5.
carré numéro 5, c'est un masque facial. Mais c'est petit, hein? 8 millilitres. Je trouve que c'est tellement petit. La 6, vois-tu? La case numéro 6. Voilà, j'ai trouvé. Il faut savoir que les produits sont recto verso. Il faut retourner pour pouvoir trouver ce produit. Ah, d'accord. Dans la case numéro 6, on a toujours un exfoliant pour le visage, 30 ml. Et 30 ml exactement comme celle-ci. Voilà. Après, il y a deux. Il croit qu'il manque un troisième. La case numéro 7. Dans la case numéro 7. On a ceci, c'est un confetti de blanc, voilà. La 8. Voilà la case numéro 8, on a... Ça ne m'est pas dit. La case numéro 8, on a un shampoing 50 ml. Bon, on va tester pour voir. La case numéro 9. À la 9, on a ceci, c'est un brume corporel 30 ml. Moi, je n'aime pas trop les brumes corporelles de chercheurs parce que ça ne reste pas vraiment sur le corps. Quoi. Bon, ça sent très bien, mais je ne sais pas si ça va rester longtemps. Donc, la case numéro 10, où es-tu? Numéro 10, c'est ça, c'est une boule de gomme quoi, en forme de pied. 11, c'est aussi une boule de bain, mais sous forme d'étoile. Voilà. La case, la 12. Dans la 12, on a quoi? La 12, on a. Voilà. On a un après shampoing de cette taille-ci, 50 ml. Bon. 14. À 14, on a une lotion corporelle. Voilà ça. 50 ml toujours. Ok. La 16, on a. La 16, on a une crème pour les pieds. Voilà. Je ne peux pas sortir les odeurs. Ça, c'est la 16. La 17, au cul. Là, c'est de l'autre côté. 17, c'est pour l'autre côté. Voilà. C'est une bonne corporelle, un beurre corporel pour 17. Je suppose que c'est encore pour lui. Voilà. 18. Voilà, c'est un petit savon comme ça de 1 gramme. 19. C'est un bon lèvre. Ça sent divinement bon. Là, c'est 19, 20. Voilà, c'est une boule de bain. 21. Alors, je vais te couper. 21. Voilà. C'est un nettoyant pour le 21, c'est un nettoyant pour le visage. Peut-être qu'on demande même 30 ml. 23, je vais te laisser couper.
Le 23, c'est une crème. Le 23, c'est une crème du jour. Tiens. Et maintenant, la dernière case. Allez, devinez ce qui se trouve dans la dernière case. Devinez. Mais c'est petit, je m'attendais à un truc vraiment grand pour la dernière case et tout. C'est un jet de douche, 50 ml. C'est fermé. Peut même pas s'enlever. Donc voilà, c'était tout pour le calendrier de l'avant de chez Action. Et j'ai oublié, c'était la case que j'ai oublié comme ça. La 13. voilà. J'ai oublié la case 13, c'est un chiffon de douche. Donc voilà, c'est fini pour le unboxing du calendrier de l'arrangement, ce que vous en pensez. Et voilà, si vous voulez tester votre calendrier de l'avant, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je testerai pour vous. Et on se dit prochainement dans une nouvelle vidéo. Tchuss. And sail out of New York City.